Salut, c'est Sharkswing. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le mode fracture. Qu'est-ce que c'est que ma sur Black Ops 3. Donc, qu'est-ce que le mode fracture? Ben, c'est un mélange de élimination confirmée et de quelque chose et le mode de capture. Point stratégique. Désolé, je suis mort. Donc, lorsqu'on tue un ennemi, on récupère les sortes des fichiers. Et plus l'ennemi en a, plus il y en a, comme vous le savez. Il y en a 5, il y en avait 5 sur lui. Et lorsqu'il y en a 5, on va les passer sur la fracture. À court de réserve. Et lorsqu'on passe des points pour l'équipe. Et lorsque ça arrive à 75, l'équipe gagne. Et la fracture a changé de place. Un fichier fait un point pour. Tacom, batterie demande drone. Donc, ça, et le. Airstorm en attente. La fracture. Après un certain temps, elle va changer de position. Alors ça, c'est un truc cool qui nous permet de visiter et de... pas visiter, mais de découvrir. D'aller à des places que on n'a pas vraiment l'habitude d'aller dans le monde et de mieux découvrir la map. Alors, c'est cool. Hellstorm en attente d'ordre. Sinon... Sinon... Je crois que c'est tout. Alors, le gameplay, c'est moi qui l'ai fait sur mes plans, comme je crois que vous l'avez remarqué. Je sais pas si je vais dire rien. Ah oui. Point positif sur ce mode de jeu. C'est qu'il vient de partir. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien parce que si on est sur le marché mort, ça a un peu de temps, ça a plus de sens. Mais les gratuits vont être vraiment bien. Parce que. Voilà. Je crois que. Alors, je vais vous laisser avec. Avec ce gameplay. Et alors ça. Alors n'hésite pas à aller visiter ma chaîne Twitch, qui est dans la description de ma chaîne. Le lien est dans la description de ma chaîne. Et la chaîne Chou, le lien est aussi dans la description de ma chaîne. Alors, et n'oublie pas aussi de t'abonner si ma chaîne te plaît. Et de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. Alors, c'était Sharkswing. À la prochaine. Lancement d'un drone autorisé.
s'est fait avoir. Les Black Ops en a...